c'était horrible. J'ai rêvé que Yaema embrassait Chimiwe. Allez, saute, je te rattrape. Et si ce rêve était un présage? Si ça voulait dire que mes amis allaient vraiment me trahir? Oh, ils m'ont peut-être déjà trahi. Il faut que je voie Karas. Vite! Et tout cela pour un rêve, pour un simple rêve. Je ne sais pas ce qui te préoccupe, Inami, mais tu as tort de t'inquiéter. Oh, alors ça veut dire que les rêves ne veulent rien dire? Les Ekouras laissent parfois entrevoir l'avenir aux humains, mais seuls les chamans sont capables de comprendre leurs messages. Et il leur arrive même de se tromper. Et est-ce qu'il existe un moyen d'effacer un rêve pour qu'il n'ait plus de pouvoir? Décidément, tu as dû faire un terrible cauchemar, Inami. Non, je posais juste la question comme ça. Oui, il existe un endroit appelé le Puits des Songes où il est possible d'effacer les rêves. Tu dois t'y rendre avant de faire un nouveau rêve. Sinon, tu ne pourras plus effacer celui qui te fait peur. Mais attention, c'est un endroit dangereux. N'entreprends ce voyage que si tu es certain de vouloir effacer ce rêve. Tu devras y réciter une formule magique en jetant dans le puits un des objets auxquels tu tiens le plus. Ma sarbacane? Oui, par exemple. Et après, il suffit d'y croire. Et c'est quoi la formule magique qu'il faut réciter alors? La formule magique est celle-ci. Mais attention, elle n'opère que si tu es au bord, tout au bord du puits magique. Il ne faudra pas avoir peur, n'est-ce pas, Inami? Je sais bien qu'il faut que j'atteigne le puits des songes avant de redormir. Mais je ne peux pas partir sans revoir Yaema. Attention, Tatoune, tu vas nous faire repérer. Chut. Chimoué. Inami, c'est moi, hein? Chimiwe. J'ai remarqué. Qu'est-ce que tu viens faire ici tout seul sans moi? Hein? Tu as une réponse à me donner? Rien de spécial. Je cherchais des fleurs. Quoi? Des fleurs? Et comme par hasard, tu les cherchais juste à côté du village de Yaema. De Yaema? Oui, pourquoi pas? Vous? Ah. Mais alors, ça veut dire que tu... Vous aviez rendez-vous? Pas du tout. J'allais chercher des coquillages quand tout à coup, j'ai entendu du bruit et... Qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai au fait. Qu'est-ce que tu fais là? Karas m'a confié une mission. Et je voulais dire au revoir à Yaema avant de partir. Karas t'a confié une mission à toi? Sans même m'en parler? Mais il ne me fait plus confiance ou quoi? Mais pas du tout. C'est mon père qui lui a demandé de me confier une mission pour que je me débrouille seule. Comme si ton père ne savait pas que tu es le premier à pouvoir te débrouiller seul. Eh oui, mais pas forcément pour appliquer les leçons de Karas. Là, c'est Chimiwe le meilleur, et de loin. Et c'est quoi cette mission? Hein? En fait, je dois aller à un certain endroit pour trouver une grenouille très venimeuse et... noir avec des taches jaunes. C'est pour ses remèdes. Une grenouille arboricole? Exactement. Je dois aller en chercher au puits des grenouilles. Le puits des grenouilles? Jamais entendu parler de cet endroit. C'est génial alors, Chimiwe. C'est une formidable occasion d'aller à la découverte de quelque chose ensemble. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, je reste avec toi. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Inami? Allons-y tout de suite. C'est que Karas a dit que je devais y aller seule. Ah, et depuis quand tu obéis à ce qu'on te dit? Depuis aujourd'hui. Tu viens, Tatoune? S'ils viennent avec moi là-bas, ils vont tout de suite comprendre. Et puis, ils risquent en plus de nous retarder. D'un autre côté, s'ils ne viennent pas avec nous, ils restent tout seuls. Et tous les deux! On dirait qu'Inami a un problème. Oui, ça n'a pas l'air de vraiment tourner rond dans sa tête. Bon, d'accord. Allez, venez! Qu'est-ce que je disais? C'est gentil de nous laisser t'accompagner au puits des grenouilles, finalement. Surveille-les de près, hein, d'accord?
je n'en peux plus. On s'arrête? Pas maintenant, il faut se dépêcher, on a encore beaucoup de chemin. On peut souffler un peu, non? C'est plus une promenade sinon. Les grenouilles seront encore là quand on arrivera. Justement, non. Les grenouilles doivent être capturées au bon moment. Hein? C'est quand le bon moment? C'est demain ou plus tard. Car le soleil sera en conjonction avec la lune. Ah bon? Oui, aussi on dormira juste quelques heures et... Eh, mais la voilà ta grenouille! Hein? Là, sur le tronc, une grenouille venimeuse noire avec des taches jaunes, comme celle que tu cherches. Plus besoin d'aller au pas de course au puits des grenouilles. C'est pas cette grenouille. Bien sûr que c'est celle-là. Attends. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu ne lui fais plus confiance? Oh, tu n'as rien? Non, ça va. Cet arbre est glissant. Oh, de toute façon, Caras m'a bien précisé que je devais aller au puits des grenouilles et nulle part ailleurs. Bon, ben, si Caras a dit ça... Vraiment tout ce qu'il y a à manger. Désolée, on n'a pas le temps d'aller chasser. Et puis, ce serait dangereux de vous laisser. Pour nous ou pour toi? Pour tout le monde. Il fait nuit et plus vite on aura mangé, plus vite on dormira, plus tôt on se réveillera. Bon, ben, bon appétit. Tu veux l'autre moitié? Merci, il est trop mûr pour moi. Prends celui-ci, il a l'air parfait pour toi. Ah, oh, c'est très gentil ça. Bon, maintenant que mon ventre est sur le point d'exploser, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Yaema. Tu ne te couches pas? Non, je n'ai pas sommeil. Je vais veiller un peu. Bon, bah, bonne nuit quand même. Non, tu ne dois pas dormir. Qui me réveillera si jamais je m'écroule? Il faut que tu m'aides à rester éveillée, d'accord? Eh ben, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas assez de place ici. C'est juste au cas où un fauve viendrait. Je crois qu'il vaut mieux rester groupé. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est Caras qui t'a demandé de faire tout ça? Oui, ça fait partie de la mission. Un peu comme une épreuve, si tu vois ce que je veux dire. Ben, pas trop, en fait. Et puis, je trouve ça vraiment bizarre. Aïe! Étrange depuis qu'on est parti. Si, et ça m'intrigue aussi. Il est malade? Quelqu'un lui a acheté un mauvais sort? Je ne sais pas, mais on fait bien attention à lui, d'accord? C'est quoi ces cachotteries? Vous parlez de moi? Non, enfin... Oui, on se demandait... Si tu ne voulais pas faire une petite halte, histoire que tu dormes un peu. Tu es épuisé? Non, c'est hors de question. J'ai dit que Caras avait demandé de faire vite. Je pense comme toi, Caras n'y est pour rien. C'est dans sa tête que ça se passe. Caras, Inami n'est pas rentré cette nuit. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Oh, il est parti au puits des songes pour se débarrasser d'un mauvais rêve. Rien de grave. Allez, ne t'inquiète pas, Minoshka. Inami s'invente toujours des épreuves, même quand elles ne sont pas nécessaires.
Ce pont de singe ne me dit rien qui vaille. Cherchons un guet. Non, ça prendrait trop de temps. J'ai trop sommeil. Je veux dire, il faut se dépêcher. Ce pont de songe est le plus court chemin pour arriver au puits des singes. Des grenouilles. Bref, on passe par là. Bon, j'y vais en premier. Pourquoi vous êtes l'un à côté de l'autre? Parce que tu nous as emmenés avec toi. Tu te souviens? Tatoun, tu passes la première. Chimiwe ira ensuite, et puis moi, et puis Yaema. Froussarde! Bon, alors, dans ce cas, Chimiwe, tu n'as qu'à y aller en premier. Moi, je veux bien, mais je veux dire, il y a de l'eau au fond. Ah, on ne s'en sortira pas. Yaema, vas-y, toi, alors. Non. Bon, d'accord, j'y vais en premier. Mais enfin, tu peux nous expliquer pourquoi on ne cherche pas tout simplement un moyen plus sûr de traverser? Parce qu'autrement, on risque de ne pas arriver aujourd'hui, vous comprenez? Tu vas me tenir par la main, j'ai trop peur de tomber. Oh, et pendant ce temps, Chimiwe et Yaema vont profiter pour se... Mais, ils se donnent la main, là. Oh, il fait demi-tour. Va moins vite, tu secoues trop le pont. Inami. Ça va? Rien de cassé? Tout va bien. Pas pour l'instant. Ça devrait tenir. Grimpe. Nous, on va trouver un guet en amont et on te rejoint. Quoi? Non. Attendez-moi. J'arrive. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi il revient? Des crocodiles. Ils foncent droit sur lui. On allait trouver un autre moyen de la traverser, cette rivière. On se serait rejoint un petit peu plus tard, tu sais. Je ne voulais pas vous laisser seul. C'était trop dangereux. Hein? Trop dangereux? Trop dangereux, pourquoi? Inami, tu vas nous dire ce qui se passe. C'est que... j'avais peur que... Je me suis dit que sans vous, je n'avais aucune chance de trouver la grenouille de Karas. Voilà. Hein? Allez, en route. On a assez perdu de temps. Cette fois, Chimiwe, j'en suis sûre. Sa fameuse grenouille lui a grignoté le cerveau. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas nous dire ce qui lui arrive. Non, mais regarde-les tous les deux. Vite, vite, Tatoun. Plus ils restent ensemble, plus ils risquent de nous trahir. Des grenouilles de l'autre côté de ce... Mais comment tu veux qu'on trouve des grenouilles arboricoles ici? C'est parce qu'elles vivent dans les cailloux. Ce sont des grenouilles très spéciales. C'est pour ça que Karas... Impossible! Ces grenouilles, elles ne vivent pas dans les cailloux. Comme Karas n'a pas pu te mentir, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Et cette fois, Inami, il faut nous dire pourquoi. Dis-nous la vérité. Il n'y a pas de mission de Karas, hein? Vous vous liguez contre moi. Oui, vous avez décidé de me trahir, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je savais que ça arriverait. Je l'ai vu en rêve. Inami, s'il te plaît. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire.
passer comme ça. Matatoum, toi au moins, tu ne me trahiras jamais. Même si j'arrive à jeter ma sarbacane dans le puits des songes, je crois qu'il est trop tard maintenant. Ça ne fait rien. Même s'il ne reste qu'une chance infime, il faut essayer. Tu réveilles toujours les gens avec autant de douceur. Enfin ! Oh, c'est pas vrai, quel idiot ! Je ne suis qu'une stupide sauterelle sans cervelle. Arrête, moi aussi, je dois respirer. Alors comme ça, tu fais des mauvais rêves. Pourquoi tu nous as rien dit ? Je ne sais pas, j'avais peur. J'ai tellement cru à ce rêve. Et il t'a suffi d'un rêve pour croire qu'on pourrait te trahir? Mais Karas m'a certifié que certains rêves pouvaient prédire l'avenir, alors j'y ai cru. C'est faux, il n'a pas pu te dire ça. Tu lui as caché ce qu'il y avait dans ton rêve. Sinon il aurait éclaté de rire. Tout ça c'était dans ta tête et tu as imaginé des choses. Tu t'es fait du mal pour rien. Je croyais que tu avais confiance en moi. C'est nul d'être jaloux. Je sais, pardonne-moi, pardonnez-moi. D'accord, mais plus de ça maintenant, hein. Quand tu as un problème, on en parle. En tout cas, je ne croirai plus jamais les Ekouras. Pourtant, ce que tu as vu dans ton rêve est devenu la réalité. Simplement, tu n'as rien compris à sa signification. Karas m'a dit que seuls les chamans sont capables de comprendre les messages des Ekouras. Je vais peut-être vraiment devenir chaman alors. Parce que moi, dans mon rêve, je me promenais avec Shama. Enfin, je veux dire... Hey, mais c'est ça que tu venais faire chez les Patamis. En fait, tu cherchais à revoir Shama, n'est-ce pas? Ben... À
Allez, on rentre. Comme ça, on verra si ton rêve se réalise. Ce qui me rassure, c'est que Karas ne t'a jamais confié de mission. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire de grenouille. Ah oui? Alors pourquoi tu as grimpé à l'arbre?